là là, oh là là, oui. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle session à la recherche du bar. Je me trouve dans le golfe du Morbihan, une zone où il y a pas mal de courant. Il y a des petits îlots, il y a des parcs à huîtres. Il y a vraiment de tout en spot, donc ça va être, je pense, vraiment très intéressant. Je vais commencer par pêcher dans les courants. On est mi-marée descendante. Là, on est tôt le matin. Donc, je vais commencer par ça. Et puis après, je verrai pour éventuellement me rapprocher des parcs à huîtres, des bordures. Je vais essayer de trouver ce qui fonctionne pour déclencher des poissons. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. C'est parti! Hop, superbe, un beau poisson. Ah, il fait 47-48 quoi, il s'est bien défendu, hein. Superbe. Allez mon beau, bisous. Hop. Allez, plein dans le courant. Pouche poisson, voilà, direct. Ils sont plein dans le courant, quoi. Comme souvent. Superbe. Ça se défend bien. C'est pas énorme, mais ça se défend bien. Ah, c'est joli, je pense, là. Ah, c'est peut-être un peu plus joli, ça, par contre. Ouais, ça c'est peut-être un peu plus joli. Ouais, ouais, c'est une poisson sympa ça. Et donc ils sont la patate, hein. Ils ont la patate, ces poissons là qui sont dans le courant. Ils ont la patate, ils font des bonnes touches, superbe. Un bon petit poisson. Voilà. Voilà, mais ils sont vraiment en plein dans le courant. Là je lance dans le courant, je laisse le leurre descendre et hop, j'ai des petits rebonds, j'accompagne, bannière légèrement détendue et généralement les touches c'est à la descente du leurre. Et voilà, oh, loupé, là c'est bon, voilà, à la descente, yes, ah ça se défend, oh non, décroché, c'était beau, oh non, oh non. Ah, puis là, bah, décroché, du coup, il va se barrer et les autres vont le suivre. Vite, je relance tant qu'ils sont sur la zone. Ah non, ça faisait minimum 55-60. Ah, je suis deg. Ah non. Là, c'était beau poisson, là. Ah, c'est dommage. Et voilà, ça manque. Et voilà, et voilà. Ah non, poisson. Ouais, un peu plus petit ça. Un peu plus petit. Enfin plus petit.
poisson encore. Hop, un beau poisson encore. Super. Là, je me replace. Là, il y a du poisson sur la zone. Ils sont bien actifs, ça devrait retaper encore. Allez. Voilà. Hop. Yes. On peut en enchaîner beaucoup quand c'est comme ça. Je peux finir par tomber sur un gros quand même, je pense, au bout d'un moment. Perles. Et puis quand il y a du courant comme ça, ils en profitent, les petits. Ils se défendent bien, c'est génial. C'est génial, c'est des beaux poissons quand même. On est sur des beaux poissons quand même. Hop, décroché, voilà. Hop. Là, je pense que ça va être poisson à tous les lancers pendant un moment. Ils sont sur la zone. Le tout, c'est d'essayer de ne pas les décrocher quand ils sont dans le courant, en tout cas. Parce que sinon, ça va les faire partir. Il y a potentiellement quelques jolis. Je serais quand même tenté là de mettre un leurre peut-être un peu plus gros pour voir si je peux déclencher des plus gros. Après, ils se déplacent dans le courant. Quand la marée descend ou monte, hein, ils se déplacent, ils montent, ils descendent. Faut essayer de les relocaliser des fois. Le tout, c'est de bien passer. Bien présenter le leurre. Voilà, touche. C'est un petit peu plus bas. Ouais, c'est petit. Ça a l'air d'être un peu plus petit, ça. Et ça se défend bien quand même. Hein. Hop. Bisous. Donc ils sont peut-être un petit peu plus bas là, j'ai l'impression. Tout à l'heure, je les prenais 10 mètres plus haut. Je les prends plus haut. Hop. Donc un peu plus bas. Allez, il va bien y en avoir un peu plus joli dans le tas, qui fait 50-60 là. Ce serait déjà bien. Ouais, ils sont plus bas. Ils sont descendus un peu plus bas. Ah, j'ai décroché ? Non, il vient. Ah, il est toujours au bout. Il y a plein de balles vers moi. Ouais, beau poisson. Un beau poisson. T'énerve pas. Voilà. Ouais, ils sont un peu plus bas là, dans un peu plus de fond. Toujours dans le courant quand même. Là, le courant s'est bien accéléré, ça change tout. Là, je suis peut-être un peu trop léger, je peux pas bien présenter. Donc bah, je vais en profiter pour passer sur une taille sur une taille plus grosse. Comme ça sélectionnera peut-être un peu aussi les poissons. Je pourrais un peu mieux pêcher. Voilà, poisson quand même. Voilà, ils sont encore là. Bon, si ça mord quand même comme ça, je vais encore faire 2-3 lancers, voir. Bon, je vais changer, parce que sinon je vais prendre que des petits. J'ai déjà pris, je vous mettrai sûrement pas tous les poissons, mais j'ai déjà pris une douzaine de petits comme ça. Donc je vais mettre hop, un peu plus gros, comme leurre. Hop, le même, mais en plus gros. Donc là, c'est du 18 grammes, hein, normalement. Voilà, j'étais en 10.
Non, 12. 12 grammes, je crois. Courant s'est bien accéléré. Avec la marée qui descend, forcément. Est-ce que je vais pouvoir réussir à sélectionner les plus gros poissons avec ce leurre? Ou est-ce que je vais plus du tout avoir de touche? Mais vous voyez, tout de suite, hein, dès que je change de leurre, dès que je mets plus gros, ben voilà, ça déclenche plus de touche. Mais c'est pas grave parce que ça peut déclencher. Un gros poisson, là c'est ce que je vise. J'ai pas envie de prendre que des petits pendant toute ma session. C'est sympa, mais bon, j'en ai déjà pris pas mal là. Je vais essayer de déclencher un beau poisson. Je pense qu'il y a moyen. Bon, j'ai pas mal prospecté les bordures. Vraiment, c'est très très calme. Mis à part, ce matin là, en plein dans le courant. Donc là, ça y est, la marée remonte. Donc je vais attendre. Il va y avoir des zones qui vont être intéressantes à la montante là. Il va y avoir un bon courant aussi. Avec la marée qui monte, là, ça y est, ça commence à faire un petit courant dans les zones où il y a des rétrécissements, là, comme ici. Ça peut attirer quelques poissons. C'est pas très profond, là, mais peut-être quelques poissons à se balader. Ah, bonne zone de courant, ça y est. Ah, ça va être intéressant par là. Il va y avoir du passage. Même si ça ne mord pas tout de suite dès que je passe sur la zone. Je vais attendre un peu. Il y a du poisson, on voit dans la zone, sur la zone. Il y a du poisson. Voilà. Pas beaucoup de fond, mais zone intéressante. Regardez ça, dès qu'il y a une cassure, un poisson, forcément. Ouais, poisson, poisson, ouais. Ah, c'est une vieille. C'est une belle vieille. C'est pour ça que j'avais du mal à ramener. Ma tresse s'est emmêlée. Ah, dis donc, une belle vieille. Ah, dis donc, on dirait une. C'est une léopard. Oh. Magnifique. Un beau petit léopard. Hop.
Oh là là. Release un peu pourri, hein. Bon week-end, pique avec ses dorsales. Allez. Ouais, beau poisson. Ouais. Oh, ouais, oh, je pense que c'est une. Je suis pas sûr, je pense que c'est une vieille. Mais c'est beau. C'est beau. Peut-être un bar, hein. Attention. C'est lourd. C'est lourd. Du fond, ah, c'est lourd. Hein. Oh là là, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est une vieille, elle est grosse. Hein. Ça va être un sacré poisson si c'est un bar là. Alors là, ça va être un beau poisson aussi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Allez, j'aimerais bien le voir. C'est une énorme, énorme vieille. Ah là 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 là, énorme vieille. J'y croyais un peu au bar quand même, mais waouh. Oh là là, la taille de cette vieille. Ah, la taille, ça mérite d'être mesuré. Hop, j'ai affissé dans l'eau un peu. Hop. Voilà. Magnifique vieille. Elle est bien grosse, hein. Elle fait combien de 50, je pense. Je la mesure par curiosité. Et puis elle retourne à l'eau. Superbe. Un beau combat. Vraiment superbe. Là, je mesure. Je pense qu'on est pas loin des 50. Et là on est à 50 et demi, même plus que 51. Incroyable. Je crois que c'est record là. Oui, c'est record. La plus grosse que j'avais fait, elle faisait 49. Record, nouveau record. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. J'avais pas battu un record. Tiens. Super. Ben disons, elle est bien piquée. Cm, waouh. Pour une vieille, ça c'est gros. Voilà, hop. Super, allez, retourne à l'eau. Allez, zoom. Battu de 1 cm. Mais record quand même. Attendez, quand même beaucoup plus de poissons. Surtout là, comme ça, dans les courants, quoi. Oh, ça y est. Ça c'est un bar. Ça y est, les blancs. Ça y est, les blancs. Ça c'est un bar. Ouais, c'est un joli. C'est un joli, c'est un joli. Oh, c'est un joli. Yes. Ah oui. Eh ben les voilà. Ah oui, c'est un beau. Ouais, c'est un beau. Ça y est. Poisson intéressant. Ouais, 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 mais c'est plus de poisson, ça, je crois. Oh là là. Oh là là, oui. Ah oui, là, il y a beau. Là, il y a beaucoup de... Oh non! Oh non, c'est grossier! Non, j'y crois pas! Ah non, j'y crois pas!
Ah, il y avait plus de 65 là. Ah là, il y avait plus de 65. Ah non. Ah non, il s'est décroché. Ah là 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 là. Ah non. Ah ça, c'est la loose, là. Très beau poisson là. Très beau poisson, je l'ai vu. Oh là là, c'est plus de 65. Très très beau poisson. Allez, il y en a peut-être d'autres. Je vais refaire pareil. Là, je remontais. Je ramenais mon leurre. Il est venu intercepter. Aïe 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 aïe. Bon, et eh bien malheureusement, on restera sur un échec pour cette session sur la fin. Sur la fin, juste sur la fin quand même. Donc un gros bar décroché malheureusement. Moi je l'ai estimé au minimum il faisait 60, ça c'est sûr. Maintenant il était peut-être bien plus gros. J'ai pas eu le temps de bien l'apercevoir. Donc voilà, mais c'était un gros pépère. Il y aura eu un record quand même de battu. Donc bah, ça faisait longtemps que j'avais pas battu de record. Donc ça me fait super plaisir, même si c'est que de 1 cm. Assez nouveau record quand même. Et puis bah, il y aura eu quand même pas mal de poissons ce matin, beaucoup de petits bars, donc je vous aurais pas tout mis dans la vidéo parce qu'ils étaient tous calibrés entre 40 et 50. Mais voilà, ça s'est enchaîné pendant presque une heure, presque à chaque lancée des poissons. Et après ça s'est calmé, vraiment calmé pendant 2h30 avant de recommencer à. Donc ça recommence à bouger au début de marée montante quoi du coup. Et puis j'ai pu refaire deux poissons et malheureusement sur la fin, pourtant en plein dans le jus là, qui était vraiment très intéressant, j'ai pas réussi à déclencher d'autres poissons. Donc voilà, c'est comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Et puis bah écoutez, je vous dis donc à la prochaine. Ciao. Je pars là parce que aussi il y a beaucoup de touristes là. Vous entendez le bruit, il y a de la musique, enfin bon, bref. J'aime bien être au calme à la pêche, là c'est pas du tout le cas donc. Je rentre. Allez, ciao ciao.